Hashirama vivant, Sarutobi, Minato, Edo, je précise. Alors là, on commence par Hashirama vivant, les gars. Alors, sachez que je pense, et même je suis sûr à 80%, on va dire, qu'il sera beaucoup plus méta que Hashirama Edo. Et c'est choquant parce que voilà, on sort de Storm 4. Déjà, bah, voilà, ses combos n'ont pas changé. Là, on peut faire ce qu'on veut. À partir d'ici, là, son combo Storm Connexion. Ok, là, on peut faire ce qu'on veut. Son combo aérien. Oula, je pense qu'il y a un stun, ce rêve. Non, c'est au troisième coup. Ok, très très fort. Là, vous pouvez TS directement. Ouais, ça passe. Initialisé. Du coup, son premier jutsu, les gars. Il est... Le jutsu que je viens de faire, là, il est invincible. C'est-à-dire que tu peux sortir des pressings, tu peux aggro avec. Quand le mec dash, tu peux utiliser ça. Utiliser ça pour contrer son dash. Bon, c'est très très fort. Après, tu peux récupérer au sol. Voilà, son deuxième jutsu, c'est ça. Par contre, il est stun. Franchement, le perso est très très fort. Là, on peut récupérer. Faire l'autre jutsu. Avec un 3PX, il se récupère au sol. Après la chop, on peut récupérer après avec un 3x. Non, franchement, les gars, c'est... le perso est très très fort. Le pressing sur garde est fort aussi. Bon, le perso est très très fort. Du coup, on enchaîne avec Sarutobi, les gars. Son premier jutsu, c'est les shuriken. Très très fort, on peut récupérer. Ça nous permet de faire des pressings sur garde aussi, c'est pas mal. Là, il aura peut-être le temps de taper, mais vu que le jutsu va sortir, il va se manger tous les jutsu. On peut le récupérer au sol. Ok, c'est fort. Après la charge, je pense qu'on peut... On peut rien faire. Ok, il a l'air d'avoir un bon pressing sur garde. Après son 4 tonnes... C'est sur quel, non ? Ok, son Katon a l'air d'être rapide là. Attends, je vais le tester de loin. En fait, vous le voyez pas partir, mais j'ai l'impression qu'il touche directement l'adversaire. Enfin, il le touche vraiment vite. Ok, on peut cancel avec un dash son Katon. Ouais. Le perso, bah voilà, il a toujours les mêmes combos. Après, on va voir s'il a le stun qui sera en connexion. Je pense qu'il a pas. Ok, il a un stunt ici. Vous pouvez faire ce que vous voulez à ce moment-là. À ce moment-là. Ouais, tu peux faire pressing sur garde, etc. pour reset avec une chop. Et reset, les gars, c'est la méta du jeu, sachez-le. Du coup, on enchaîne avec Minato Edo. Après sa chope, normalement, tu peux reprendre avec un 3x. Tu peux récupérer au sol. Quoique, attendez. Non, tu peux pas récupérer au sol. Ok, bien sûr, les gars, le perso, il est très mobile, vous voyez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Les persos mobiles comme ça, c'est extrêmement fort. Son Rasengan TP, il est extrêmement fort, les gars. La TP, elle est vitesse lumière. Hein. Après son Rasengan, vous connaissez, il a la barrière, il est très très fort. Vous pouvez même faire des espèces de pressing des 50-50 en faisant juste ça, les gars, simple et efficace. Kunai, hop là, c'est un espèce 50-50, vous lancez un soutien, c'est un 50-50 à 100%. Après Minato, son défaut c'est que le pressing se regarde. Bon, je vais vous le montrer. Voilà, à ce moment-là, le mec il peut contrer juste là. C'est pour ça que c'est relou. Après, il a son combo Storm Connexion. Juste ici. Vous pouvez faire ce que vous voulez à ce moment-là. Ouais, le perso, il est pas mal du tout, les gars. Franchement, jouable en méta x1000. Enfin, enfin, il est méta, ce perso. Je pense qu'on a fait le tour des persos. Franchement, le perso, très très fort, les gars. On peut récupérer après ça.
Ouais, c'est très très fort. Ouais, je pense qu'on a fait le tour, les gars. On s'attrape pour une prochaine vidéo avec de nouveaux persos. Merci d'avoir look. Ciao.